Yo tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Moi ça va nickel. Et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Dark Days. Donc j'avais fait la présentation à la vidéo précédente du jeu. Donc c'est un jeu juste un peu plus immersif que Last Day on Earth, mais c'est le même principe. Pour ceux qui veulent le découvrir, il y a toujours la vidéo qui est dispo. Et du coup directement, on va pas perdre de temps parce qu'aujourd'hui dans mes quêtes j'ai eu en gros qu'il va vous avez des quêtes quotidiennes sur ce jeu. Et là, en fait, la quête, c'est de faire un raid. Donc, je me chauffe. J'ai réussi à avoir dans ma messagerie, à force de faire des missions, une épée assez vénère et un pistolet improvisé. Donc, je vais partir avec ça. J'ai pris plein de haches. Hein, j'ai fait au maximum. Je suis encore au début du jeu. Hein, donc, je vous dis, je le tente vraiment pour la vidéo et pour kiffer. Mais on va aller dans la base de ce joueur directement. On tente le coup avec lui. C'est l'heureux élu. Donc, je vais le raid. J'espère que je vais trouver des choses intéressantes. En vrai, je sais pas trop à quoi m'attendre. Je sais pas si c'est le même principe, parce qu'il y a des zombies qui vont arriver pendant que je vais raid ou quoi. Je sais pas trop. Vous avez vu, je découvre tout ça. Le monsieur a une maison beaucoup plus énervée que la mienne, toujours est-il. Moi, ma maison, elle est encore au niveau 1. Là, elle est pas. Est-ce qu'on peut regarder par la fenêtre? Ok. Donc là, il y a un coffre. Là-bas, il y a. Ok. Ok, je trouverai. Ouah, il y a trois coffres. Il y a deux coffres ici. Et je casse ici. Je casse la porte. Allez, on casse la porte. Ça fait du bruit, ça attire des zombies. Ok. Donc, c'est comme dans Last Day. J'ai une petite technique d'office. Oh, mais what? C'est un mec qui me tire dessus. Mais what? C'est carrément un mec qui vient. Mais c'est le joueur? Wow, mais attends, mais en plus il a une tenue de fou comparé à moi. Pistolet improvisé, vas-y, je prends. Ah, je vais garder ma tenue moins bien, mais wow, le mec m'a attaqué. Le propriétaire est venu m'attaquer, quoi. Je m'y attendais pas en fait, là j'étais pas prêt. Ok, donc là ça a appelé des zombies. Ok, j'ai cassé la porte. J'ai cassé la porte, ça a appelé des zombies. Ça en a appelé que deux, ils sont pas ultra forts. Donc là, on donne un coup, on recule en fait, et ça permet de pas se faire toucher. Vous avez compris. Du coup, ça va aller vite. Hein, j'aurais dû prendre de la nourriture. J'étais pas prêt en fait là. J'étais pas prêt du tout. Ok, bonne petite maison quand même. Il a mis des fenêtres, donc on peut facilement voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Je trouve pas ça ultra stratégique, mais allez, hop, hop, hop. J'ai pris normalement suffisamment de. Waouh! Waouh! Franchement, ça tombe grave bien parce que j'ai besoin de bois, tu vois. Donc, tant mieux. Hop, vous voyez, je donne un coup, je recule. Je donne un coup, je recule et je perds pas de vie. Pour ceux qui veulent dupliquer. Hein. Donc, pour le moment, ce que je vais faire, je vais prendre tout son bois parce que là, moi, j'en ai clairement besoin. Hein. Faut pas se mentir. Je vais prendre ça. Manière. Allez, deuxième coffre. Je sais pas à quel moment il y a un zombie vénère genre Big One qui va apparaître, mais on va voir ça. Hop, allez, nouveau coffre. Oh, de la peau de bête. Ça par contre, ça va être super utile la peau de bête. Je préfère prendre de la peau de bête que tout ce que j'ai jusqu'à maintenant. Allez, hop. Vous avez vu, vous reculez, ça fait le café. Hop. Vous voyez, je reste à 88 de vie. Pour esquiver, il faut juste courir en même temps. Hop là. Waouh, il y a des trucs super cool à récupérer quand même. Ça, je prends. Ça, je prends. Ça, je prends. Ça, je prends. Franchement, ça promet d'être intéressant tout ça. Hein. Pour moi, mon premier raid, pratique. Bon, j'espère qu'il va pas contre-attaquer. On va voir. On va voir, on va voir. Donc là, on va manger toutes les baies pour ma vie. Par contre, du coup, attends, je décale ma petite tête, je suis au milieu. Qu'est-ce qu'on fait? Les haches, je vais encore en avoir besoin. Je vais retirer du bois, tant pis, en vrai, le bois, c'est facile à avoir. Alors que la peau de bête, il a dû galérer, il faut tuer plein de kebabs. Les kebabs, c'est les moutons, les gars, si jamais. Je remets ma tête là-haut. Donc ici, j'ai ouvert les deux coffres qu'il y avait. Attends, je vais explorer quand même mieux que ça. Hein. J'avoue que là, j'ai fait mon feignant. Ok, là, il n'y a pas de coffre. Pièce à vide. C'est bien fait. J'aime bien le système. Donc là, ok, on peut regarder par la fenêtre. Ok. Il n'y
T'as pas l'air d'avoir de coffre ici à piller. Je vais regarder par cette fenêtre là. Donc là, il y a un nouveau coffre dans cette fenêtre. Un nouveau coffre. Et ici, on n'a pas d'info. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien. Est-ce que je suis gourmand ou je suis raisonnable? On va aller péter ce coffre. Parce que je vois qu'il y a une fenêtre. Donc au pire des cas, je verrai si j'ai loupé quelque chose ou pas. Toujours est-il, DH, je peux m'en construire un paquet. Waouh, il commence à avoir un beau tas de zombies là, les gars. Waouh, vous avez vu tout ça? Waouh! Bon, ça me fait d'XP, moi. Hein. Écoutez. Donc, même technique. Hein. Tranquillou, on recule. Celui-là, je vais vous le passer, cet extrait-là, et on se retrouve juste après. Donc, on tape, on recule. On tape, on recule. Et ça, moi, ça me fait d'XP. Ok, on se retrouve. Je vais casser ce coffre. Attends, je crois que c'est ma hache. Ouais, non, je vais pas entamer ma hache. Je vais en créer des moins bien quand même. Ça, je trouve pas que ça vaille le coup de... Je débloquais deux trucs. Je peux faire un pistolet, mais non. Bon, j'ai pas le niveau encore, les gars. Je vous le dis direct. Mais je peux. C'est une info. Allez, hop. 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 Ah, rien d'intéressant. Je suis dégoûté. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres zombies qui arrivent? Non. Bon, mais on va regarder par la fenêtre. Écoutez, moi, je continue. Wow, yay, yay. J'ai sa salle des coffres, les gars. J'ai sa salle des coffres. Alors déjà, on va se faire une petite hache à nouveau. Bam, on construit. Toujours pas de zombies. Je regarde, je suis attentif parce que je sais pas trop qu'est-ce que ça donne en vrai. En vrai, ce pistolet-là, il est HS. On s'en bat les cacahuètes. Je vais me refaire une hache. Les gars, vous avez vu le nombre de coffres qu'il y a de l'autre côté? C'est juste ultra bon à prendre. Donc, hop. Hop. Franchement, à la place de la vis, là, ça fait chier parce que des vis, ça peut être utile.
Le mec, je lui ai bousillé sa baraque. Il va être au bout de sa vie quand il va voir le raid que je lui ai mis. Allez. Ok. En fait, il a vraiment beaucoup de ressources premières. Par contre, ce qui me fait plaisir, c'est la peau de mouton que j'ai eue. La peau de mouton, incroyable. Parce que c'est chiant à prendre. Il y a 3 moutons par zone, autant vous dire que pour tous les faire, il faut être patient, quoi. Et j'avoue que c'est pas une qualité chez moi. Donc. Oh, il a des armes. Ok. Je vais juste sortir. Dernier check. Donc, je suis sûr qu'ils sont accumulés dans la maison, les zombies, et traverser la maison. Donc allez, dernier. Hop. Hop. Ah yeah, ça arrive. Je vais me casser d'ici. Ah ouais, il commence à avoir des vrais zombies là. Wow. Les gars, c'est quoi ces histoires là? Vous me voyez pas? Ouais, là ça commence à être chaud par contre. Là, il commence à me faire bobo, les mecs. Ça va, j'ai des pansements. Si j'en claque un, ça me remet beaucoup de vie. Je veux à tout prix ouvrir le dernier coffre. Après, j'arrête. Donc, il faut que je me l'efface. C'est quoi ces deux cons là? Eux, ils font mal de fou. Hein. Parce que c'est comme zombies là, avec leurs bras. Ils se prennent. Qu'est-ce que tu fais, tiens? Toi, va dodo. Hop. Hop. Dernier coup. Là, c'est bon. Je vais manger des béquilles sur eux, ça me donnera de la vie. Franchement, ça fait suer un peu ce raid. Hein. Ça fait suer. Ok, on va retourner au dernier coffre. J'ai usé un peu de pansement, mais c'est beaucoup plus rentable que... Comment dire? Enfin, j'ai plus eu que dépensé, donc ça va. Yes, encore de la peau de bête. Donc là, niveau B, on va manger un paquet. Histoire de me remettre de la vie. Delta Cord, il a des trucs intéressants. Oh, du coup, raid plutôt rentable, du coup. Enfin, rentable. Je suis au début du jeu, donc en vrai, les matières qu'il a, elles me plaisent, elles sont cool. Là, est-ce qu'ici, il y a des coffres encore? Est-ce que j'abuse ou pas? Non, en vrai, non, on va arrêter là. J'ai fait tous les coffres, puis je commence à... Hein, les zombies commencent à être violents, là. Donc je décale ma petite tête encore une fois. Ça on va garder, ça on va garder, ça on jette. Ça on va garder. Ça on va garder. Ça c'est sûr qu'on garde. Ça on garde. Et là maintenant plus qu'à faire le tri avec tout ça. Allez, on va faire les coffres un par un. Donc ce que je vais faire, je vais les trier moi-même les coffres. Et on se retrouve en fait quand j'aurai fait le tri. Je vous montre ce que j'ai pris et pourquoi. Comme ça, si vous êtes au début du jeu, ça peut vous aider aussi. Hop. Allez, on se retrouve maintenant. J'ai fait mon petit tri, mais avant de partir, vu que je suis un sale gosse, je vais taper dans son mur de niveau 2 pour voir s'il cache des trucs intéressants de l'autre côté ou pas. J'espère que ma hache va tenir. Encore beaucoup, les gars. Hache cassée. Oh putain, je suis dégoûté, les gars. En plus, j'ai des zombies qui arrivent. Regarde quel genre de zombie c'est, juste par curiosité. Et je me bats. What? Ok, on part tout de suite. C'est la fuite. Et ils commencent à être durs là, les zombies, vous avez vu? Ok, donc sur le chemin, je vais bien évidemment vous montrer. En gros, ma base est vulnérable pendant 23 heures et quelques. Je vais peut-être regretter d'avoir fait ce pillage, je préfère vous le dire direct. Voilà ce que j'ai réussi à prendre du coup. J'ai pas mal de bouts de bois, beaucoup de peaux de bêtes, et ça va m'être ultra utile. J'ai pris, vous voyez, ce genre d'éléments là, c'est juste des choses un peu rares, du charbon. Voilà, je me suis rentabilisé le raid, je pense. Enfin, moi, il m'a coûté que des haches, donc clairement, ça me fait pas mal. Maintenant, je vous avoue, j'ai peur du retour de flamme. Sachant que ma base, bah, je vais vous la montrer en deux spi, juste, mais regardez. C'est lui avec deux haches et il me plie ce qu'il veut dans la base. Donc ce que je vais faire d'ici là, c'est que je vais améliorer à fond ma base vite avant qu'il puisse la piller.
Donc j'espère que ça vous aura plu. J'ai tenté le coup, écoutez, je l'ai fait avec vous. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire si ce jeu-là vous plaît, parce que ben, moi je fais des vidéos dessus, parce que je trouve qu'il est sympathique, c'est un peu le même principe que Last Day, mais avoir des retours, c'est quand même bien. Sachant que ben, ça m'aide à savoir un peu quel genre de jeu la communauté préfère, quoi. Donc portez-vous bien et on se retrouve pour une prochaine vidéo.